procédure de destitution contre le président Donald Trump serait-elle en train de monter en puissance ? En tout cas, la Chambre américaine des représentants a approuvé ce jeudi l'enquête préliminaire visant à lancer cette procédure inédite. Plus de 20 ans après le dernier vote ayant ouvert une telle procédure contre Bill Clinton, la Chambre à majorité démocrate a adopté une résolution donnant un cadre formel aux investigations par 232 voix favorables contre 196 voix contre. Aujourd'hui, la Chambre avance encore en établissant les procédures pour des auditions publiques afin que les Américains puissent se faire leur propre idée sur les faits. De son côté, la Maison-Blanche a réagi en dénonçant une mascarade et un acte anti-républicain. La plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, a dénoncé le président républicain sur Twitter juste après le vote. Ce vote crucial au Congrès ouvre une nouvelle étape publique dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. Les parlementaires démocrates tentent de démontrer que Donald Trump a fait pression sur Kiev pour obtenir de quoi salir l'ancien vice-président démocrate, Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de l'élection de 2020. Le président américain dément tout manquement à ses fonctions et se dit visé par un coup d'État. Pour l'heure, les démocrates ont déjà entendu une douzaine de diplomates et conseillers de la Maison-Blanche à huis clos. Selon les éléments qui ont fuité, des témoignages accablants ont été livrés. C'est à la Chambre des représentants que revient le soin de mettre en accusation le président, mais au Sénat de le juger. Compte tenu de la majorité républicaine à cette chambre haute qui aura le mot final, une destitution paraît peu probable.